Bonjour, je m'appelle Andrea Navrotescu, j'ai 25 ans, je viens de Normandie et je suis joueuse d'échecs professionnelle. Bah aujourd'hui dans ma vie, c'est les échecs à 100%. Je m'y consacre depuis maintenant 3 ans, entièrement, professionnellement aux échecs. Eh bien oui, j'ai fait des études, j'ai une licence en langue bilingue, une licence bilingue anglais-espagnol. Et je compte reprendre justement mes études avec un master en communication d'entreprise à la rentrée de septembre. Bah, les échecs, ça, comme ça m'a accompagnée tout au long de ma vie, ça sera toujours priorité numéro 1, voire numéro 2, mais voilà. Bien, les échecs dans ma vie professionnelle, ça m'apporte clairement de la lucidité sur la prise de décision. Puisque en fait, les échecs, il s'agit de tout le temps savoir prendre une décision. Et je sais que bah, y a des gens justement qui ont du mal avec la prise de décision. Moi, j'en fais mon quotidien. Donc, voilà. En plus, évidemment, des capacités d'analyse et de planification et de mémoire, enfin, il y a tellement de bienfaits. Je donne aussi des cours en parallèle. Je donne des cours surtout aux jeunes en qui je vois un fort potentiel en fait. Ça m'intéresse le fait de les voir monter et le fait de savoir qu'ils peuvent faire un truc. Et moi, c'est vraiment ce côté challenge et ce côté adrénaline qui m'intéresse. Donc, par contre, ouais, quand je donne des cours et que je regarde, parce qu'on peut regarder les parties sur Internet, je suis derrière mon écran, je suis en train de me ronger les ongles, c'est terrible. Mais ouais, c'est vraiment ce côté à fond moi, derrière quelqu'un qui m'intéresse. Effectivement, je suis ambassadrice pour la Team Vitality. Alors, il s'agit d'une team e-sports. C'est d'ailleurs la meilleure team e-sports en France et c'est eux qui m'ont contactée en début d'année 2021. Il s'agit de vraiment autant représenter la marque Team Vitality dans moi mes compétitions d'échecs que représenter les échecs au sein du monde du e-sport. Ali Teams, ça m'évoque vraiment le monde de l'entreprise. Mis au service du sport, donc c'est ça qui est juste hyper, hyper cool pour moi parce que effectivement moi dans mon projet professionnel je compte justement lier les deux, donc ça tombe vraiment hyper bien.